je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi cet endroit-là a déclenché quelque chose chez moi, mais c'est un lieu où je me suis senti très bien et je réalisais qu'il avait toutes des milliers de choses à explorer là-dedans. Tu arrives à un endroit comme ça, il y a tellement d'informations, tu n'arrives pas à l'organiser, et ça c'était difficile. Il fallait au moins une semaine de un petit peu rentrer dans les ténèbres du jungle. Des situations comme ici, c'est une opportunité de piéger le hasard. Depuis plus de 30 ans, j'ai toujours eu un carnet de dessin avec moi pour noter les choses. Et je croque le quotidien, ouais. Et j'aimais bien l'idée que les carnets allaient être imbibés de pluie équatoriale, que souvent je mélange dans ma peinture du sable ou de la terre, des aliments végétaux. Ça fait partie de la chose. Peut-être c'était aussi une manière d'accéder au lieu et à aiguiser mes récepteurs.